Bonjour, bon live, bonne rediffusion à vous. J'espère que vous allez bien. Installez-vous bien et profitez. Ah ouais, non, mais ils sont revenus, eux. T'en avais bien besoin. Voilà. Et où la voiture? Non, c'est pas ça que je voulais. Sans un nid, il doit pas être loin. Encore un nid, tu vas brûler. Thank you.
Ça peut servir. C'est bon? Première nouvelle. C'est mieux. Caporal. Comment ça va, Sal? Ah, pas mieux qu'hier, mais pas pire que demain. Dites, je crois pas vous l'avoir demandé, mais comment vous avez atterri ici? Non, vous l'avez pas demandé.
Et je l'ai pas dit. Désolé. Très bien, caporal. À bientôt. Weaver, ça peut plus durer. Quoi? Vous avez peur de la concurrence? Dehors! Y a un problème? Madame? Juste une discussion amicale, caporal. Lieutenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste que Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Rah, il fait chier! Ouais, il fait chier, tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition, la con. Mais formulaire de... C'est ça que tu crois, en vrai? Voulais... Que tout ce que je fais, c'est je brasser du ça, vent non. Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants. À la chaîne et de près, de si près, que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors si tu bosses sur un truc qui permettrait tous les buter à la fois, putain j'en suis! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi? Donne-moi l'ordre, chef. Deacon, attends. Excuse-moi, d'accord? Écoute, j'ai besoin... Juste... Merci. Ton aide m'est précieuse. D'entre vous sont avec moi depuis le début. M'ont écouté quand j'ai prédit l'avènement de la peste divine. Ont fait le pèlerinage avec moi jusqu'à cet endroit, m'ont aidé à bâtir cette arche. Mais que vous soyez des nôtres depuis le début, ou que vous ayez rejoint nos rangs seulement aujourd'hui, vous faites maintenant partie de cette grande aventure. Vous faites maintenant partie de notre mission visant à sauver l'humanité. Je tiens à vous rappeler, à vous qui quittez cette enceinte pour accomplir votre devoir, que nous sommes toujours à la recherche de documentation digne d'être conservée au sein de l'Arche. Nous cherchons des livres de cours, des manuels en tout genre, des encyclopédies, des disques et autres supports. Le lieutenant Weaver a fait une liste des livres de chimie qui pourront nous servir. Le lieutenant Whittaker a fait une liste des manuels de biochimie, génétique et biologie dont nous avons besoin. Le capitaine Jiménez a fait une liste des livres qui nous apporteront l'enseignement nécessaire en médecine, anatomie et chirurgie. Le sergent Tomlinson a fait une liste de livres traitant de construction routière et de génie mécanique. Et le capitaine Hawkins est toujours à la recherche de documentation sur l'agriculture et l'hydroponie. Alors, quand vous partez en mission à l'extérieur, pensez à regarder si vous voyez ce genre de choses. Apportez votre contribution. Aidez-nous à remplir l'arche. Rompez. Au grand discours.
Caporal, notre héros. Sergent. Ah, allez, quoi. Salut, caporal. Hé, hey, t'éloigne pas de ton flingue, tu m'entends? Caporal, salut. Sergent, tout va bien? Ok, compris. Ok. Quoi que tu cherches, on l'a en stock. Donc... Caporal, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Tout ça, c'est dans ta tête. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Saint John pour Whittaker. Caporal Saint John, oui. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, caporal Saint John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges. Je fais que mon boulot, le colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide... Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie... Mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver est... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des progrès similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... Désolé, je dois y aller. Yeah.
injecteur du Nero. Cool. Ça m'aidera à rester vigilant. Rapport de terrain 2069. Faisant suite à plusieurs rapports que mon superviseur m'a balancé de la part de l'équipe de surveillance satellite. Des patrouilles de la milice ont été repérées à 8 reprises à cet endroit. Ceci n'aurait rien eu d'exceptionnel s'il n'avait pas tout brûlé. Donc, bref, ça a retenu l'attention de mon superviseur. Il s'avère qu'il a eu raison de signaler ça. Le site 307, maison de vacances des années 50, est devenu un nid pour groupe d'adolescents infectés. Entre 8 et 12 individus, en fonction des modes migratoires. Les tests sanguins effectués sur deux mâles, âgés de 13 à 11 ans, montrent des anticorps et des protéines antivirales que, honnêtement, nous n'avons pas pu identifier. Le labo devrait m'en dire plus. Qu'est-ce que tu dis, ça, foreign mutant ? Quelqu'un dans la milice fait des expériences sur ces petits bonhommes. Qui peut bien faire ça ? Et pourquoi ? Elle s'appelle Sarah. Et pourquoi ? Parce qu'elle essaie de faire le ménage. Et je compte bien lui donner un coup de main. Autant jeter un coup d'œil. Je dois pas être loin d'un nid, je le sens. Encore un nid, c'est parti.
beaucoup, Akira. Merci pour ton verre. J'espère que tu vas bien. À un moment, faudra bien lui arrêter. Qu'est-ce qui lui prend à courir partout comme ça? You won. Il n'y a même pas deux secondes que je viens de faire tout. Hein. Tiens, je voulais essayer. Bien besoin.
Allez, la suite. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Tiens, ici j'ai pas fait. Non mais j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Il crie ce monsieur. Ça peut servir. Rapport de terrain 2069. Faisant suite à plusieurs rapports que mon superviseur m'a balancés de la part de l'équipe de surveillance satellite. Des patrouilles de la milice ont été repérées à 8 reprises à cet endroit. Ceci n'aurait rien eu d'exceptionnel s'ils n'avaient pas tout brûlé. Donc, bref, ça a retenu l'attention de mon superviseur. Il s'avère qu'il a eu raison de signaler ça. Le site 307, une maison de vacances des années 50, est devenu un nid pour groupes d'adolescents infectés. Entre 8 et 12 individus, en fonction des modes migratoires. Les résultats des tests sanguins effectués sur deux mâles, âgés de 13 à 11 ans, montrent des anticorps et des protéines antivirales que, honnêtement, nous n'avons pas pu identifier. Le labo devrait m'en dire plus. Conclusion, quelqu'un dans la milice fait des expériences sur ces petits bonhommes. Qui peut bien faire ça? Et pourquoi? Elle s'appelle Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de faire le ménage. Et je compte bien lui donner un coup de main. Tiens, attrape! Apparemment, on peut pas brûler.
ça fait quand même quelques temps, ça suffit. Ça y est, j'ai vu quand même. C'est pas en disant si on y retourne. Ça y est.
mutants contre maraudeurs, c'est ça. Entretuez-vous, les gars. Ne me laisse pas tomber. Dis-nous où est ton camp. Et peut-être quand elle sera partie. Je t'emmerde. Oh le putain ! Je crois qu'il nous a pas bien entendu. Voyons comment on peut arranger ça. Je vous dirai rien. Allez, c'est parti. Attendez. Et maintenant, tu m'entends mieux ? Virez-moi ce merde d'ici! Mon oreille! Arrêtez! Vous en dites quoi? On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire contre des crédits! Putain de merde! J'arrive d'ailleurs. Tiens bon. C'est qui ça?
presque à court de tout. Plan bleu. Ouais. Oh. Tu l'es. Massacre-le. T'aimes ça, hein, sale fils de pute. Chope ce bâtard. Il l'a tué. Touche pas, mes potes. Et voilà. C'est là ! Oh merde ! Je vois pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il fait pas jour. C'est qui? Touche pas, mes potes! Ok. T'as touché, hein, mon pote? Je le vois! Ah.
haut les rangs, hein. Et ça, ça plaît. T'as peur d'une petite gonzesse comme moi? Comment c'est possible? Fais-toi pousser une paire et arrête de te cacher comme une fillette. Presque à court. Là, je le vois. Allez, allez, allez. Je le vois. C'était pas les bonnes trucs. Je sais pas ce qu'il nous fout là, mais bon. C'est pas par là qu'il faudra les canarder. Hein. Je te tiens. Ça y est. C'est le dernier. Faut que je trouve un moyen d'entrer. Bon. Et voilà. Mais tu m'énerves, toi. J'ai tiré deux fois dans le buffet. Oh, recommence. Thank you.
va bouger de là, lui. J'ai vu quelqu'un. C'était le dernier. Faut que je trouve un moyen d'entrer. Et voilà. Voilà.
C'est bon. Comment ça va, Taylor ? Oh, tu sais, j'ai connu des jours meilleurs, mec, c'est clair. Ouais. Oh. Je me doute. Bon, écoute, mon vieux, prends ça et colle-le contre ton crâne. Voilà, bien. Ok. Maintenant, je veux que tu m'attendes ici, ok ? Je vais contacter le capitaine Curry pour qu'il envoie quelqu'un te chercher, d'accord ? Ouais. D'accord, ça marche. Capitaine Curry, ici le caporal Saint John. À vous. Ici Curry, je suis avec le lieutenant Whittaker, j'évalue vos progrès. Caporal, j'ai dit au capitaine Curry que vous m'aviez grandement aidé. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Merci, c'est cool. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Capitaine, y a un camp de maraudeurs, pas loin de Sauce Rim Drive. Des maraudeurs? Si près de l'île? Non, écoutez, non. Je leur ai réglé leur compte, mais... Mais j'ai un blessé, le soldat Taylor. Ils lui ont coupé l'oreille. Oh mon Dieu, comment il va? Le soldat Taylor? Qu'est-ce qu'il fichait dehors? Il survivra. Bon, je sais pas ce qu'il foutait là. Il faut que vous nous envoyiez le doc, le capitaine Jiménez, et des hommes pour le récupérer. Je vous envoie les coordonnées. Je le préviens immédiatement. Terminé. J'ai presque fait tout propre par là, hein, quand même. Saint John, vous êtes là? Oui, je suis là. C'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition? Vous bossez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais. Enfin, oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez? Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Tjemult, près d'un château. Le trouver? Je vais pas. Écoutez, je me charge du camion, ok? Vous aurez votre polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Saint John, ici le colonel Garrett. Au rapport. Oui, chef. Oui, caporal. Nous avons une urgence. Un soldat, un officier, a déserté. Un officier? Un traître de la pire espèce. Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. Il a été repéré sur la circulaire du sud. La moto volée à un réservoir bleu. Trouvez-le, caporal. Oui, chef. Je pars à sa poursuite. Caporal, ramenez-le vivant. Vivant, colonel? Nous allons le pendre, caporal. Il servira d'exemple à ceux qui croient pouvoir se soustraire au règlement de la milice, qui se croient au-dessus des lois de Dieu. Oui, chef. Rompez, caporal. Petite pause. Je peux pas monter sur ma moto et enregistrer.
super embusqué. Mais si tu m'énerves, parce que là je peux pas réparer ma moto, je peux rien faire. T'es un pétard ou je moque. Ok, je vais jouer à ça, petit. Ah! Déjà, on... Pitié, ma moto! Chut, sale enfoiré! Tu prendras plus de drifter en embuscade! Non, mais. En plus, je l'ai fait tout à l'heure, le toit de tout ça, là. Je rêve ou c'est une heureuse à côté de ma voiture, ma moto. Ça va être cool. Ce que je peux faire. Après ça, je fais une pause. Ça devrait le faire. Et voilà. Ça y est. Bon, allez. Sauvegarder. Je vais rester comme ça parce que on va se rattaquer ici. Ok. Merci de nous avoir regardé YouTube. Bonne.
Bonne journée à vous, à bientôt, bye bye, prenez soin de vous.